Coucou tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique Gutfeld. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance. Et la dernière fois j'avais pris du point de croix, cette fois-ci j'ai choisi du diamond painting. Donc ma sélection a été validée le 3 novembre et j'ai reçu mon colis le 14 novembre aujourd'hui. Donc ça a mis 11 jours, sachant qu'en plus on avait le 11 novembre qui était férié, donc c'est très très raisonnable, pas de souci. Je n'avais pas reçu de lien de suivi, donc je ne savais pas quand le colis avait été posté, mais dans tous les cas c'est très raisonnable. Donc comme la dernière fois, j'ai eu un budget de 20$ et j'ai choisi deux articles. Donc il y en a un qui prend quasiment tout le budget et j'ai pris un petit accessoire pour compléter qui me faisait envie. Donc on va commencer par l'accessoire et vous verrez ensuite l'objet à diamanter. Donc l'accessoire, bon, je pense que vous pouvez le voir, il s'agit d'un stylet. Ça fait un moment que j'avais vu passer ce modèle et je l'ai trouvé plutôt joli, je vous avoue. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc il arrive dans un petit sachet plastique, donc bien protégé. Hop. Et du coup je regarde, je le prends en main pour le regarder, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc vous voyez, il est comme ceci. Donc on a des petites perles en genre de, ils appellent ça céramique, je pense que ça doit être ça. Et du coup, on a juste un embout simple. Là, on ne peut pas mettre de multiplacer. Il est fermé, le stylet. Mais je me suis dit que c'était bien pour changer un petit peu. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc, il existe en plein de couleurs. Je crois que les perles sont toutes de la même couleur. Mais c'est le corps du stylet. Moi, j'ai pris en, du coup, métallisé bleu. Mais il est labellisé vert, je crois, sur le site. De toute façon, je vous mettrai moi le lien de celui que j'ai pris, si vous voulez le même. Après, si vous regardez sur le site, dans les stylets, il y en a pas mal. Oups, il y en a pas mal, pas mal de coloris. Il y en a en mat et en métallisé, du coup. Et donc, ce petit stylet est à 1,99€. Donc, c'est très raisonnable. Et du coup, c'est plutôt sympathique. Et ça permet... ça va me permettre de diamanter l'objet que je vais vous montrer tout de suite. Donc, si je vous le montre comme ça, si vous connaissez un petit peu cet objet, vous devez savoir ce que c'est. J'en ai déjà diamanté un petit moment, une collection. Et justement, comme ces accessoires sont très pratiques pour ranger des choses, je me suis dit qu'il serait bien d'en reprendre parce que j'ai de plus en plus de choses à stocker et que tant qu'à faire, autant stocker dans un joli objet. Et donc il s'agit d'une box de rangement, donc j'ai pris celle-ci. C'est une collection, a priori il y a les 4 saisons qui existent, mais là sur le site je n'ai vu que l'automne et je suppose que c'est le printemps ou l'été. Je ne sais pas, je vous avoue, avec les cerisiers en fleurs, j'aurais dit plutôt printemps, mais je ne sais pas. C'est une box toute à diamanter. Moi, celle que j'avais déjà fait, c'était des genres d'arbres, des saisons aussi, mais en partiel. Là, ça va être du coup des diamants classiques, mais c'est totalement à diamanter. Alors, on va ouvrir ça. Je vais l'éloigner pour ne pas faire trop de bruit. Voilà. Donc là, vous le voyez mieux. Bon, on a le plastique. Hein, c'est comme d'habitude, il doit être coincé sous le sous la couture. Il faudra que je coupe. Et du coup, on va la former. Je vais récupérer ce qu'il y a dedans pour vous montrer. Donc, la box, vous avez un petit... c'est du carton, mais... recouvert du revêtement un petit peu plastifié, et donc vous le mettez au fond et ça rend la boîte totalement
rigide, donc vous avez le fond et vous pouvez stocker plein de choses. C'est l'idée, moi je stocke dedans mes points de croix dans ces boîtes-là, mais du coup bah, je verrai. Bon, j'ai d'autres points de croix à mettre, donc vous me direz, ça me servira, mais sinon on peut mettre d'autres choses, bah, plutôt pour dire créatif, moi, mais finalement on peut ranger des chaussettes, enfin on peut ranger un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, alors je vais la refermer comme ça vous aurez bien le modèle en vue. Et ensuite, bah, je vais vous montrer les diamants. Donc voilà. Alors bon, on avait un toolkit classique style école barquette. Et on a donc des diamants en sachet ribambelle. Et on va ouvrir ça pour regarder un petit peu. On a quand même pas mal de couleurs. Est-ce qu'il y a des numéros? Ah bon, il y en a, c'est des lettres, donc on verra. Désolé pour le bruit. Alors, on a du jaune. Là, c'est un vieux rose. Vous le voyez marron, mais désolé, c'est ma lumière artificielle. On a deux roses différents. On a des verts, un beige, un bleu ciel. Là, on va avoir plusieurs verts différents, un marron, un bleu, un autre marron foncé, un vieux rose. Ah oui, ça ressort pas du tout comme c'est normalement. Un rose pâle, un marron, un jaune vert, un bleu canard turquoise et du blanc. Donc, on a quand même pas mal de couleurs, mine de rien. Eh ben écoutez, moi je pense que ça va être très très agréable à diamanter. Je vous avoue que ben, j'aime bien ces objets. En plus, ça prend pas trop de place. C'est plutôt bloc puisqu'on a les symboles très très lisibles. Donc pas de souci. Voilà, bah écoutez. Que vous dire de plus? Je peux pas tester le collant du coup puisque c'est accroché dans la couture. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne colle pas. On sent bien que ça flotte pas. Donc, ça devrait être bon. Et donc, cet article est au prix de 17,99 €. La box fait 25 par 25 par 25. Et voilà, vous pouvez trouver pas mal de modèles de box de ce type sur le site Gutfeld. Donc bah, cette collection, je vous dis, il y en a deux, il y a l'automne aussi. Puis après, vous avez plein de modèles différents. Bah écoutez, mon unboxing est fini. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup le petit stylet. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir le tester tout de suite parce que les boîtes à diamanter, bah, j'en ai pas d'autres. Hein, donc, je vais comme ça pouvoir le tester tout de suite avec... Bah, avec ceci. Alors, je vous remets. Donc, on a la boîte avec ses diamants. Hop. Et on a le petit stylet. Bah, écoutez, moi je remercie encore une fois la boutique Gutfeld de m'avoir fait confiance. De toute façon, vous aurez une revue très bientôt sur cet article. Le stylet, bon, je pense pas avoir grand-chose à vous en dire dans le sens où c'est un stylet avec une seule pointe, il devrait pas y avoir de soucis pour des diamants ronds. Mais si j'y pense, je vous le représenterai en faisant la revue et je vous dirai si je l'ai bien utilisé bah, tout le temps où j'ai fait ce petit rangement. Voilà, bah écoutez, il me semble que j'ai pas de code promo chez eux. Donc vous pouvez aller sur le site, il y a pas mal de toute façon de promos tout au long. Je ne vous l'ai pas dit, mais bon, il y a du point de croix et du diamant de painting sur ce site et encore d'autres objets. Peut-être de la peinture par numéro. Je vous conseille d'aller regarder. Mais ils ont pas mal de choix à des prix plutôt intéressants. Donc bah, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Bah moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et bah je vous dis à très bientôt. Bye bye!